Je suis né à Issia, comme papa était instituteur. C'est bon, le mot là me fatigue. C'est le Inimini, Saint Thomas, Pep Kiki, Georges Toll, a.k.a. La Chakala. Pour Insta Vidéo, qui suis-je? La Chakala, qui es-tu? Je suis né le 5 décembre 1990 à Issia, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis né à Issia, tu vois, et comme papa était instituteur, on a fait la navette d'Issia. On est allé à Boisso, après on a fait plein de sous-préfectures et après je suis venu à Abidjan. Donc je suis à Abidjan depuis 2008. Papa Apollo, maman Bété. Paternel, il t'envoie à Nguémé. Maternel, je t'envoie à la base Zubia. Nguémé, c'est pas loin de Tiapoum, vers Boisso là-bas. Maintenant, la base Zubia, c'est à Issia. Je suis né à Zokro des Pieds. C'est le troisième village après Zokro des Pieds. Le plus gros sacrifice, c'est d'avoir laissé les études par amour pour la musique. Le son groupie, Kiff No Beat, Tia Vuitton, il a écrit Kiff No Beat, Tia Vuitton. J'ai écouté, j'ai vomi. Mais ça nous a fait mal dans le temps, tu vois. Mais maintenant, c'est les oui, quand quelqu'un va dire, ça va que c'est en fait, il n'y a pas de rageux, en fait. Ils sont tous des fans. Mais il y a des gens, quand ils disent que tu es trop fort, tu ne réponds pas là. Un jour, ils t'envoient un ken comme ça pour que tu réagisses. Et ça, j'ai compris ça maintenant. Donc, big up à tous mes éléments, à tous mes supporters. Franchement, demain à parcours, le son là c'est quand je suis allé au studio comme ça. En fait, c'est l'instrumental qui m'a parlé. Ça m'a fait penser à en fait. Et Lou, tu dois faire un premier son. Et quand tu partais à l'école, tu as toujours voulu faire un son. Ou tu aurais souhaité écouter un son pour les jours où tu n'as pas cours. Donc c'est là que le thème est venu. C'est la joie de celui que l'école fatigue en fait. Tu vois, le jour où il ne va pas aller à l'école là. Donc à chaque fois qu'il va avoir grève ou bien il va avoir jour férié ou bien il va avoir les vacances là. C'est le son là qu'elle a en fait. Il doit directement penser à ce son. Donc big up à tous les élèves. Si le rap Ivoire ne marche pas, je lui donnerai mes béquilles. Deuxième punchline, c'est pas parce que t'es Ivoirien que ton compte YouTube a un problème de vue. Après, l'argent n'a pas d'odeur, mais quand t'as rien, ça se sent. Tiens, ici, papa n'a pas punchline, ça n'a rien à voir avec les chats qui chient, ça fait un truc, tu vois non? C'est l'enfant de qui, c'est la suite de Demain à Parcours. Et quand j'ai vu la réaction du public, tu vois, j'ai lancé un challenge dans Demain à Parcours. Oh, tout le monde a bien réagi, tu vois. En même temps, il me suis assis en piste, mais toi-même là, tu es enfant de qui, mais. En comment que dès que tu as fait un moment, tout le monde saute dessus, ça prend. Donc, tu vois, en même temps, c'est quand une maman est fière de son enfant, qui a bien travaillé à l'école, bien un enfant qui est trop joli comme ça. C'est l'enfant de qui vient là, tu vois, pour le doloter, en fait. Donc, la Chakala, tu vois, c'est l'enfant de tous ses supporters, en fait. Donc, Elou, tu es l'enfant de qui? Qui es-tu? Pour Insta Vidéo. Inch'Allah, ça on laisse dans la main de Dieu. On ne sait pas ce qui peut arriver. J'avais pas prévu, enfin, j'ai jamais pensé que j'allais faire un truc seul. Mais là, comme on est dans une optique de montrer un peu ce que chacun sait faire. Mais il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça et qui pensent que le groupe est séparé, que le groupe est divisé. On fait comme les Migos, tu vois. Quand l'Américain fait ça, on parle pas. Mais quand Ivoirien fait aussi, les mots pour en parler. Il n'y a pas son de Chakala qui tape auto. Faut retenir ça. C'est impossible. Ça se comporte toujours bien. Voilà. Moi, j'ai dit à mon public, un peu à eux, jusqu'à ils savent ce que ça a donné. Avant de balancer un son, je sais déjà comment ça se comporte sur le terrain. C'est même pas un problème. Hein.